Bonjour, c'est Grifax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xalogie Eni, on joue contre Eni, Panda et Caflip et on a une cote de 4440. Bon, Panda. Ok, j'ai une initiative qui est pas trop dégueu pour moi. En vrai, on va sablier direct. Je vais venir chercher un rouage cac contre flou. Faire une prémo ici. On m'a dit que je pouvais la proc tout seul ma prémo, on va voir ça. J'ai un peu peur que le panda me rush direct et me ramène, mais en vrai, vu l'initiative, c'est pas trop inquiétant. J'ai pas check les items en face, on a pris tech, ébène, rien de. Ouais, bon, classique. Ça joue au mode abnégation, évidemment. Boost PM. Mot secret, c'est plutôt bien, bien vu le mot secret. Mais en vrai, tranquille. Parce que j'ai Luigi qui joue derrière. Donc, hop. Hop. Je suis trop con. Je pouvais faire la flammiche sur les cages, je le fais sur mon Excel. Ok, bon. Zéro de QI, hein, Grifox, GG à tous. On va faire un aboiement. Et une férocité. Ça pourra lui prendre du boubou s'il y a besoin. Le Caflip qui a l'air d'avoir un mode assez vénère. D'accord, donc il y va. Hein. Il est pas là pour plaisanter. Alors il m'érode. Il prend le contre. Mais bon, il n'est pas érodé donc il s'en fout. C'est bizarre, on était 1, il me reste 2700 PV, qu'est-ce qui se passe? Bon. On va venir là. En vrai, je vais faire un retentissant. Hop. Une maîtrise. Tant qu'il est pas héros, ça sert à rien que je tape et je pense que Logis crèvera pas tout de suite. J'espère en tout cas. C'est un peu inquiétant ce qu'ils nous font là quand même. Évidemment le panda qui va lâcher son meilleur Stabi Kercham. C'est un régal. Hein. Le Xel qui est un peu bloqué. En vrai. Hop. Va y aller en mode 0 de QI, hein. Hop, voilà, toi tu joues pas. Contre, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit à l'Ekaflip. Ok, la préve est tombée. J'ai déjà plus de PV sur Logis, c'est quand même bizarre ça. Hein. Je suis érodé en plus, j'aurais limite dû lui debuff l'héros. Moi bon, j'ai que 13%, on va dire ça ira. J'ai presque envie d'y aller sur Lenny en vrai, mais. Panda, ouais, non, je peux rien taper là, c'est hyper chiant. Bon, bah écoutez, on va se booster comme on peut. Déjà, on va se blinder. Tac, tac. Le problème, c'est que là, je vais devoir lâcher. C'est haché comme tour, hein. Ça me plaît pas du tout. On va essayer de se mettre un peu à distance. Pas facile tout ça. Hein. Évidemment, les cas qui me va me tabasser sans ligne de vue avec le Karcham, ça régale. Si joue. Ok, il se pose.
Il a vraiment fait un contre-coup sur le panda. Ok, j'ai réussi à le bait. Par contre, les dégâts, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est full tank, mon Ouji, qu'est-ce qui se passe en fait? Oh, ça n'a aucun sens. Bon, on va faire tech. Aucun sens, hein, les dégâts que je prends. Bon, heureusement, il m'a parmi des héros. Faire ça comme ça. Et le truc, c'est que son EK est pas érodé en fait, donc juste il en a rien à foutre de ce que je lui fais. Va essayer de gêner un peu le placement du panda, qu'il puisse pas trop accéder ni à l'Ouji ni à l'EK. Le problème, c'est que là je suis déjà 3000 PV max, moi j'ai toujours pas placé d'érosion en fait, parce que bon, le panda évidemment, OZEF de ce qu'il prend, c'est le EK qu'il faut focus. Hein. Il faut absolument que je puisse lui mettre du retrait, on va voir ce que fait le panda, il a plus de Stabicarcham là. Évidemment la point d'attaque, mais à la limite s'il fait ça, tant qu'il est en multi-cible c'est ok, je préfère ça qu'un full burst sur l'Ouji. Maîtrise. Ouais. C'est assez relou quand même, hein. On va pas se mentir. On va faire ça. Attendez, vraiment là il est pas en DLF. Ça par contre c'est vraiment fâcheux. On va faire un rollback. C'était le pire tour, hein. Je voulais absolument pas faire ça. Je m'attendais pas à ce qu'il reste là après le rollback. Et là j'ai plus logé en fait. Évidemment, j'ai fait le pire tour avec mon Xelor, hein. C'était pas du tout le moment de faillir mon tour au Xel, ça fait vraiment chier. J'aurais limite dû y aller sur le panda en vrai, parce que là les cas je vais jamais pouvoir le toucher. Hein. Moins 4 au mode silence, c'est ok. J'ai plus de PV en fait, qu'est-ce qui se passe? Perception. Je me suis dit, ça sert à rien que j'ai rot, de toute façon c'est mode full dégâts, mais bon. Évidemment, il se régène de ouf. Ah bah j'aurais dû éroder. Super, je perds un tour. Par contre, je pense qu'il tuait mon Ouji, ça je comprends pas trop pourquoi il l'a pas tué. Ah, de toute façon, après j'ai pris tellement d'héros que de toute façon il fait ce qu'il veut. Je pourrais lâcher une libé éventuellement, mais bon. On va tester. Oh, je me suis mal placé avec Lenny, j'ai fait le con. Pouvais faire mieux. Là, je me donne pas de friter les frags. Je sais pas pourquoi je le vois en invisible, le panda. Enfin. Non, je me suis placé comme une merde. On va y aller comme ça. Hop. Là, il va falloir trahir le placement. Hop là, je veux pas qu'il ait la ligne de vue dessus, enfin pas la ligne directe en tout cas.
pouvoir soigner, mais ah, limite j'aurais pu casser la ligne avec l'Uxelle, ouais, j'ai pas été très malin. Parce que là il a Free Regen dessus. Cela dit, Lugie est boosté, il va pouvoir taper, mais j'aurais pu m'arranger pour que les lignes puissent pas le soigner, j'ai été un peu con. Je sais pas pourquoi je le tape pas comme ça, il prend pas de dégâts en fait, qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, il a la chance, et j'érode pas. Oh mais de toute façon je suis pas concentré là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah oui, il était sous chance et je lui mets pas d'héros, moi je suis juste le pire bouffon en fait. Bon par contre là il tombe, il a plus beaucoup de PA. Mais c'était abominable mon gameplay, j'ai vraiment fait que de la merde. Voilà, bon, je le finis. Hop. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin d'y aller, mais. Ce qui survit mon Ogi. De toute façon, je vais pas pouvoir faire des miracles. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller le sauver, les gars? Je vais préférer y aller safe et mettre la régène à Ogi. Je pense que le panda pourra pas le sauver. De toute façon, il a encore les ébènes. Peut-être que c'était de la merde, hein, mais. Ouais, non, il full tap. Je suis encore en vie. C'est quoi? C'est le Selene qui joue. Ça va être compliqué. Hein. Place l'ébène sur mon ennemi. Je pense que je vais m'en sortir. Stabi. Il peut le stabi Garcham, mais s'il fait ça, il fait rien d'autre de son tour. Donc au final, ça, ok. Normalement, il y a encore le Telef là. Ouais. Panda 24 d'esquive, il pourra jamais se sortir. C'est bon, Cyrene. Et putain, le Rox que j'ai pris direct dès le T1, si vous voulez, ça m'est bizarre quand même.
Il se prève, il soigne, ok. J'en ai ben 4. Panda 3 PA. Double. Double ébène. J'ai ma momie prochain tour, ça c'est pas mal. Ok, il le pousse. Picole. C'est un peu étonnant en vrai. Je vais lâcher ma meilleure. Meilleur synchro rollback. Hein. Là, je vous avouerai qu'on n'est pas là pour réfléchir. Hop. En vrai. Je peux faire ça. Je prends l'ébène mêlée. Ensuite, tac, tac. 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 Là, j'avais mieux à faire. J'aurais même pu caler une téléf en plus. Mais tranquille. De toute façon là il est en mode survie hein, mais il me fait rien, moi je suis full PV, je me régale. Il fait durer mais jamais il me tombera un mec et je finirai par lui tomber quelqu'un donc. Reco. J'ai beaucoup de PA là, je sais pas ce qui se passe. En vrai, je vais lâcher un Galva. Je stimule mon lapin de Mangzell. Et le cadran, ça pourra servir peut-être. J'ai même pas besoin de me soigner en vrai. J'ai hésité à lui lâcher une petite libée et essayer de casser un peu son placement, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Je sais pas, il veut courir où là, mais il a intérêt à aller très très loin. Va avoir du mal à tanker. Vraiment, je le tue pas là. Ça, c'est décevant. Il est comme ça. Hop. Je sais pas ce qu'il espère, hein, à part que mon PC s'éteigne par coupure de courant ou je sais pas, mais là. Ça va être compliqué pour lui. Après, je reconnais le mérite du tryhard, hein, mais il y a des limites. Hop. Bon, c'était un peu pénible comme combat. J'ai pas trop. Ça fait deux fois d'affilée que je tombe contre Panda et Ni plus un gros roxeur énervé. Bon, si vous voulez, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois.
Au bout de 10 fois, ça commence à être un peu relou, mais bon, c'est un gameplay aussi qu'il faut savoir appréhender. C'est toujours délicat de gérer un focus quand il y a un panda tanky qui stab Karcham en face ou compagnie, c'est un peu technique. Mais on s'en est sorti.